Et pendant tout l'été également, à 9h15, vous retrouvez Bruno Guillon et Caroline Diamant. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme. Bonjour. Je voulais proposer la voix Caroline Diamant, qui serait sans issue, bien sûr. Un boulevard de son c'est... vivant. Je ne sais pas comment elle doit le prendre, Jérôme. Oui, écoutez, c'est mon petit surnom, mais je ne savais pas que vous étiez au courant. Jérôme, on vous retrouve demain. Bien sûr, avec plaisir. À demain. Très à bonne demain. Journée. À demain. Au revoir. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Bienvenue sur RTL, mardi, nous sommes le 12 juillet, ravis de vous accueillir comme chaque matin avec Caroline. Ah, quelle merveille! Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. C'est gentil ce petit beautiful. Bien sûr, j'ai des chansons sur les diamants pour tout l'été. C'est demain, vrai. Je pourrais faire Caroline. Ah, cette chanson, elle me faisait rêver. Et c'est vrai en plus, Diamonds are forever. En tout cas pour tout l'été. Les diamants sont éternels, Caroline Diamant est éternelle. Et nous allons vous accompagner, non pas de façon éternelle, mais en tout cas jusqu'à la fin du mois d'août, pour cette grille d'été sur RTL, pour vous offrir des cadeaux. Et quel cadeau! Une nouvelle fois ce matin, vous allez pouvoir repartir avec de magnifiques séjours à Disneyland Paris. Tout à fait! Des week-ends à Disneyland Paris avec des belles attractions. Et puis... oui, toujours très joli. Et puis vous pourrez aussi avoir 1000 euros cash. Et 1000 euros cash quand on est soit au travail, soit en vacances, c'est merveilleux. Il suffira d'enchaîner 10 bonnes réponses. Comment faites-vous pour jouer? C'est très simple. Vous pouvez vous inscrire en appelant le standard RTL. C'est le 3210. Il y a les SMS. Vous envoyez RTL au 74 900. Et enfin, après un briefing qui a duré 24 heures, nous nous sommes mis d'accord sur le hashtag de cette émission. Ouais. Alors, pour les réseaux sociaux, le mot dièse, c'est RTL Quiz avec un seul Z. Tout à fait. Ça nous a pris à peu près autant de temps que de faire. On a failli faire un référendum comme c'est pour vrai. Le Brexit. Et puis on s'est dit non, quand même, nous on s'est dirigé. Voilà. Hashtag RTL Quiz. Ce qu'il faut, c'est avoir une minute le matin pour jouer avec nous. Et on peut vous appeler en direct si vous vous êtes inscrit. Ce que nous allons faire tout de suite avec le premier auditeur de la matinée. Est-ce que je peux mettre une musique d'attente comme quand on appelle la Sécu? Voilà. C'est magnifique, Vivaldi, c'est toujours un plaisir de l'écouter. Si le téléphone sonne chez vous, c'est peut-être RTL. Oui, allô. Allô, Mélanie. Oui, bonjour. Bonjour, Mélanie. Bonjour. Caroline, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct sur RTL, c'est le grand quiz de l'été. Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Merci de m'avoir appelé. Eh bien, de rien, c'est un plaisir. Vous habitez où? J'habite à Villeneuve-les-Maguelones, à côté de Montpellier. Et que faites-vous dans la vie? Je suis infirmière, actuellement je suis en congé maternité, j'attends mon deuxième enfant. Ah, garçon ou fille? Fille, deuxième fille. Une infirmière. Voilà. Le fantasme de l'infirmière, comme dans oui. Grey's Anatomy. Oui, même, mais même si à l'arrivée, on voit plus souvent des infirmières en crocs qu'en talons aiguilles, comme dans la série américaine Et qu'à cela ne tienne, j'embrasse toutes les infirmières de France. C'est très gentil, c'est à peu près ça. Bon, Mélanie, oui. Vous avez une minute à nous accorder. Tout à fait. Nous allons vous poser des questions. Caroline va vous poser des questions, d'accord? Oui. Il y a deux choses. La première, c'est déjà donner un maximum de bonnes réponses. Si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, vous allez gagner 1000 euros, d'accord? Oui. Et si vous avez un maximum de bonnes réponses, à l'issue de cette première heure, vous pourrez gagner ce séjour à Disneyland Paris. C'est un séjour pour 4 personnes. Vous serez logé, bien sûr, et vous aurez accès aux deux parcs à volonté. Nous sommes d'accord, Mélanie? Sans problème, on va essayer. Une minute pour vous, Caroline. À vous de jouer, c'est parti. Dans la comptine, qu'est-ce que le roi Dagobert met à l'envers? Sa culotte. Comment se nomme le président Comment se nomme le présentateur de Koh-Lanta sur TF1? Je passe. Sur quel type de surface joue-t-on au tennis à Roland-Garros? Terre battue. Quelle noce fête-t-on après un an de mariage? Coton. Que collectionne un BD-fil? Des bandes dessinées. Comment s'appelle le premier satellite lancé par l'homme en 1957? Sputnik. Combien de sports compose un patathlon? 5. Comment se nomme le cochon, ami de Winnie l'ourson? Porcinet. Quel chanteur a brûlé un billet de 500 francs en direct à la télévision? Qui a écrit Cyrano de Bergerac? Je passe. Quelle star a donné de top départ des 24 heures du Mans cette année? Passe. Comment appelle-t-on la partie transparente d'un casque de moto? La visière. Quel groupe de rock anglais a donné un concert géant à Cuba le 26 mars dernier? Je passe. Dans quelle ville trouve-t-on
Voilà. Vous pouvez la finir parce que vous avez, vous lui avez pris deux petites secondes sur ouais. sur Koh-Lanta. Dans quelle ville trouve-t-on la place Saint-Marc? Venise. Voilà. On peut le prendre. Ouais, si, on a oh, c'est, petit c'est vrai parce que peut-être que oui. j'ai un tout petit peu bafouillé. Oh, pour c'est avoir pas ça, mais une femme enceinte. Le président de Koh-Lanta. Oui, ça m'a troublé du coup parce que c'est Denis Brognard. Et comme le dit souvent Denis dans ces cas-là, tourista général. Bon, alors. Voilà. Bonne matinée, bravo. Le présentateur de Koh-Lanta, il s'agit donc de Denis Brognard. Comment s'appelle oui. le premier satellite lancé par l'homme en 1957? Il est parti de l'ex-URSS et il s'agissait du Spoutnik. Oui, ça je l'ai dit. C'est un pic, c'est un roc. Non, non, vous ne l'aviez pas dit, le si, Spoutnik. Le Spoutnik. Ah, on me fait signe que non. Ah bon, bah alors... bon. Mais peut-être que vous l'avez pensé, en tout cas. Bon. Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand. Non, ça... Voilà. Quelle star a donné le top départ des 24 heures du Mans cette année? Vous le saviez, Caroline? Je sais que vous êtes une passionnée de sport automobile. D'ailleurs, vous êtes une passionnée de sport tout court. Alors non, ne vous foutez pas de ma gueule à n'importe quel prix. Il y a des sports que j'aime bien. Il se trouve que l'année dernière, le docteur Mamour était au départ des 24 heures du Patrick Mans. Dempsey, ouais. Voilà. Cette année, c'était Brad Pitt. Mmh. Donc, de temps en temps, je regarde les départs parce qu'il y a des beaux mecs en combinaison moulante qui, en général, ont beaucoup d'argent. Voilà. Et enfin, quel groupe de rock anglais a donné un concert géant à Cuba le 26 mars dernier? Ah oui. Les Rolling Stones. Oui, oui, oui. Bon, ça nous fait combien de réponses, ça, Mélanie? Ça nous fait 10 bonnes réponses. Non, 10 bonnes réponses, c'est bien. Ah, quand même. 10 bonnes réponses, vous pouvez aisément prétendre au séjour à Disney, on verra ça tout à l'heure, dès 10h du matin pour le premier de la matinée. D'accord? Dans un premier très temps, bien. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous offrir une montre RTL. Ah ben c'est très gentil, je vous remercie. Eh ben de rien, on vous embrasse. Oui, moi aussi. À très bientôt et bonne journée. Merci Mélanie. Au revoir Mélanie. Merci. Vous voulez jouer avec nous? Vous envoyez RTL par SMS au 74 900. Vous pouvez appeler maintenant le 3210 3 2 1 0 pour jouer au grand quiz de l'été sur RTL. RTL, le grand quiz de l'été. Vous êtes toujours avec nous, n'hésitez pas à nous appeler, 3210 par téléphone, RTL au 74 900, on est ravis de vous avoir en ligne. Et d'ailleurs, on va tenter tout de suite d'avoir une candidate ou un candidat. Le téléphone va sonner, c'est peut-être chez vous. Restez près du téléphone, décrochez, il y a peut-être 1000 euros à la clé ou un week-end à Disneyland Paris. En tous les cas, ça vaut le coup. Croyez-moi. Allô, bonjour. Bonjour. Vous êtes Sébastien. Exactement. Enchanté Sébastien, vous êtes enchanté, sur RTL Caroline. Avec nous. Et mon camarade Bruno qui est à ma gauche. Bonjour que Bruno. Que bonjour, je peux Sébastien. Même tripoter de temps en temps. Vous avez le bras long parce que je suis quand même très très loin dans le studio. Oui, moi je ne serais pas là si je n'avais pas le bras long. Vous nous appelez d'où Sébastien? Alors de Giberville près de Caen. Près de Caen, très bien. Et vous faites quoi dans la vie? Alors, je suis agent des routes dans la fonction publique. D'accord. Et en ce moment, vous êtes... Oui. Et alors, ce sont des petits... C'est pas moi qui ai un sifflet autour du cou en permanence. Hein. Je vous assure. Je voudrais savoir si vous êtes en vacances ou si vous êtes encore au travail. Bientôt en vacances, demain. Demain? Ah oui, donc oui. C'est très très bien. Oh là là, ce serait très très bien de gagner 1000 euros pour partir en vacances demain. Ah bah ce serait excellent. Ce serait sympathique. Et un séjour à Disneyland Paris, ce serait sympathique aussi. Ah bah encore mieux même. Pour cela Sébastien, il va falloir tenter de faire aussi bien que notre première candidate, au moins 10 bonnes réponses, d'accord? 10 bonnes réponses à la suite, c'est 1000 euros, c'est la petite cerise sur le gâteau. Une minute pour répondre à mes questions. Si vous ne savez pas, je le répète depuis hier, mais passez. Parce que si ça se trouve, vous bloquez sur une question, mais celle d'après sera beaucoup plus facile. Et le but, c'est d'engranger un maximum de points. Sébastien, si vous êtes prêt, je le suis aussi. Oui. Eh ben, on y va. Quel célèbre couple chantait les gondoles à Venise? Je passe. Quelle fleur offre-t-on généralement au 1er mai? Du muguet. Où siègent les députés en France? Au Sénat. Quel pays a remporté l'Eurovision cette année? Je passe. Dans quel art s'est illustré Rudolf Nureyev? Je passe. Quel animal peut être blanc, brun ou grizzly? Un ours. Que transportent Jean Gabin et Bourville dans leur valise pour traverser Paris? Je passe. Quel acteur incarne Godefroy de Montmirail dans le film Les Visiteurs?
Christian Clavier. De quel dessin animé Pikachu est-il un personnage? Moi, je passe. Quelle est la monnaie de la Finlande? Je passe. Le peintre Goya était de nationalité espagnole, c'est vrai ou faux? Faux. Dans quelle saga cinématographique rencontre-t-on le personnage de Jack Sparrow? Je passe. Comment se nomme le saint patron de l'Irlande? Je passe. Ouais, c'est pas top. Hein. Et on va c'est mettre ça sur le coup du stress, Sébastien. Ouais. C'est vrai que ça paraît facile quand on écoute à la radio. Et je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs d'RTL qui disent « Mais ça, je l'avais. » Mais quand on est en direct, c'est pas si évident. Sébastien, avant de comptabiliser le nombre de vos bonnes réponses, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne sur celle où ça a un peu déraillé. Caroline. Très bien. Alors, laisse les gondoles à Venise. Tu as une très belle chemise, ma grand-mère s'appelle Denise. Je connais les paroles par cœur. Alors c'est un duo de chanteurs qui s'appelle Sheila et Ringo. Enfin, une chanteuse et un chanteur. Enfin oui, peut-être deux chanteurs, on ne sait pas. Caroline quand même. On embrasse Sheila et ses fans. Mais oui, en plaisante. Où siègent les députés en France à l'Assemblée nationale? Alors, au Sénat. Ouais, non, mais c'est après que bon. Alors, le pays qui a remporté l'Eurovision cette année, c'est l'Ukraine. Mais je comprends, vous n'avez retenu que notre charmante amie. Qui est arrivée sixième. L'Eurovision, c'était ça la chanson. Et la chanson s'appelait 1944. Rudolf Nureyev est un danseur classique de génie. Quel animal peut être blanc, brun ou grizzly? Vous aviez raison, c'est un ours. En revanche, il y avait un petit, même un gros cochon dans la valise de Jean Gabin et de Bourvil. Ouais, réécoutons un extrait. J'adore cette scène culte du cinéma français. Mémoire, je crois que c'était au 45 rue Poliveau, mais peut-être que je me trompe, faut vérifier sur internet, mais je crois que c'était le 45. C'est Jean Reno, le Godefroy de Montmirail des Visiteurs. C'est Jacques. Que trépasse si je survis. La suite? Eh ben la suite, c'est les Pokémon Pikachu et... L'euro est la monnaie de la Finlande, bien sûr. Pour Goya, c'était vrai, il est de nationalité espagnole. Pirates des Caraïbes pour Jack Sparrow. Et enfin, Patrick est le saint patron de l'Irlande. Sébastien, vous avez deux bonnes réponses. Ouais, c'est pas top. Je pense que je peux rappeler dans l'été. Et ben, oui. Déjà, vous serez le bienvenu, sachez-le. Et puis surtout, vous ne partez pas les mains vides. On vous offre une magnifique montre RTL, d'accord? C'est très gentil. On vous embrasse. Merci Sébastien. Bien. Belle journée Sébastien. Vous écoutez RTL. C'est le grand quiz de l'été. Le hashtag pour les réseaux sociaux, c'est RTL quiz avec un seul Z. Je le répète, mais c'est important car ce matin, j'ai envie qu'on choisisse un candidat via Twitter ou Facebook. On va faire ça d'ici une dizaine de minutes. RTL, le grand quiz de l'été. Vous jouez avec nous pour tenter de repartir avec des séjours à Disneyland Paris. C'est pour 4 personnes, c'est tout frais payé pendant 2 jours. Vous avez l'accès aux 2 parcs, vous êtes logé au Sequoia Lodge. Nous avons également des chèques de 1000 euros à vous offrir. Venez jouer avec nous, 3210. Les standardistes d'RTL vous attendent. RTL par SMS au 74 900. Et alors je disais qu'on allait utiliser le hashtag RTL Quiz. Eh bien utilisons-le dès maintenant, d'accord? Maudièse RTL Quiz avec un seul Z. Q-U-I-Z derrière RTL, d'accord? Et alors, on va faire facile aujourd'hui, vous nous envoyez juste un selfie. Où que vous soyez, en train d'écouter RTL, vous prenez un petit selfie, vous le postez sur les réseaux sociaux, on vous contacte en pièce jointe, d'accord? Et vous jouerez avec nous avant 11h ce matin. Ça vous va, Caroline? Ça nous va très bien, nous allons admirer plein de jolies photos. 9h40, ce petit coin de nature est l'endroit idéal pour écouter RTL. Non, j'allais pas dire tu l'entends la salvetage, j'allais dire tu l'entends YouTube. La bande à Bono, YouTube sur RTL et New Year's Day. RTL, le grand quiz de l'été.
Hashtag RTL Quiz et beaucoup de photos là qui arrivent. Je vous dis, ouais, vous prenez un petit selfie, vous êtes en train d'écouter RTL, où que vous soyez, vous prenez une photo. Il y en a qui sont au travail, on a des personnes qui sont en train de faire du jogging, en voiture également, soyez prudents. Oui, quand vous c'est êtes ça. Arrêté, c'est mieux. Parce qu'il y en avait pas mal en voiture oui, et ce serait bien de se garer sur le bas-côté, comme on dit. On va vous contacter en message privé pour vous demander votre numéro de téléphone et vous appeler en direct. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va appeler en direct quelqu'un qui s'inscrit au 3210. Si c'est votre cas, le téléphone va peut-être sonner chez vous. Eh bien, si c'est le cas, il faut que vous répondiez. Pourquoi ? Parce que c'est RTL qui vous appelle et que si vous avez une minute... Oui, allô ? Allô, bonjour ? Oui, allô ? Oui, bonjour, quel est votre prénom ? Clément. Bonjour Clément. Clément, vous êtes en direct sur RTL, je m'appelle Bruno, ah, soyez énorme. Bienvenue. Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour ! Clément, ah non, je suis trop content. Eh ben, vous savez quoi, ça s'entend, c'est un plaisir partagé. Vous habitez où ? Vous faites quoi dans la vie ? Alors, j'habite à Revel et je suis concepteur vendeur de cuisine à Castres. Vous vendez les cuisines, voilà. vous les fabriquez, vous les designez, etc. Je les dessine, ouais, puis je les vends. D'accord, très bien. Ça pourrait m'intéresser, je n'ai pas de cuisine dans mon appartement. Eh bien écoutez, je vais vous envoyer mon email, comme ça on partagera. Bien sûr, puis c'est pratique, plans. C'est vrai que Toulouse-Paris, c'est vraiment la porte à côté. Mais oui, mais on vend dans toute la France. Hein. Bah écoutez, il n'y a pas de raison. Hein. Voilà. Bon, Clément, vous avez une minute à nous accorder. Oui, mais je veux des questions faciles, sérieuses. Ah, alors oui, ça... ben... ah ben attendez, on va faire un petit choix et puis on vous rappelle. Oui, merci. Vous allez avoir une minute dans les mains expertes de Caroline Diamant, qui va vous poser des questions, maximum de bonnes réponses. Essayez d'en avoir au minimum 10, c'est le score pour l'instant établi par Mélanie, c'était en début d'émission. 10 ouais. bonnes réponses, ça vous permettra peut-être de prétendre au séjour à Disneyland Paris, c'est ce que vous pouvez gagner okay. dans un premier temps, d'accord, pour 4 personnes. Si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, je rajoute un chèque de 1000 euros, d'accord ? D'accord, ok, allez. On co-signe tous les deux. Bien sûr. Ce chèque. Ouais. Clément, si vous ne savez pas, vous passez. L'essentiel est d'avoir un maximum de bonnes réponses, d'accord ? Ça marche, ça marche. Clément, top chrono, c'est parti. Quel condiment est une spécialité de Guérande ? Le sel. Qui a réalisé le film Jurassic Park ? Steven Spielberg. Dans quel pays la France a-t-elle remporté l'Euro de football en 2000 ? Je sais pas, passé. En Suisse. Quel crooner américain était surnommé The Voice ? Je sais pas, passe. Quel animal a pour habitude de dormir la tête en bas ? La chauve-souris. Jean-Marc Ayrault est l'actuel ministre des Affaires étrangères, vrai ou faux ? Vrai. Que signifie l'expression avoir la dalle ? Avoir faim. Dans quelle mer se jette la Seine ? La mer Atlantique, l'océan Atlantique. Quel roi a fait construire le château de Versailles ? Louis XVI. Qui a réalisé le film Titanic ? James Cameron. Quelle ville française a développé la fabrication du savon ? Passe. Comment appelle-t-on l'artisan qui répare les toits ? Un charpentier. Dans Tintin, comment s'appelle le château du capitaine Haddock ? Je sais pas, passe. Non, alors là, je peux vous dire, moi je suis prêt à tout accepter, mais alors le fan de BD que je suis ne laissera pas passer le château de Moulinsart. Oh non, je suis dégoûté. Bien sûr. Avec, bon, dites-moi. Avec Nestor qui s'occupe de la maison, qui gère la maison du capitaine Haddock. Oh, je sais pas, Tintin. Tintin. Eh bien, voilà. Justement, c'est bien pour le suspense. Combien de bonnes réponses ? Tintin. Oui, en fait. Oui. On va revenir d'abord sur les mauvaises. Alors, pour vous, l'Euro de football en 2000, c'est vrai qu'on se souvient de cette victoire face à l'Italie, du but en or de David Trezeguet, mais on oublie que c'était en Hollande et non pas en Suisse, comme vous me l'avez proposé. Bon, j'ai quand même donné un pays d'Europe. Hein. Oui, c'est vrai. Bien. Quel crooner américain ? Ah oui, non, mais c'est pas à peu près les bonnes réponses qu'il faut donner. C'est les mais bonnes je regarde réponses. Pas le foot. Quel crooner américain était surnommé The Voice ? Ah, c'est l'autre, là. Oh. Ah, bah c'est Frank Sinatra. Oh. On ne dit pas l'autre pour monsieur Frank Sinatra. The Absolute oui, Voice. Oui. C'était l'autre, là. Dans quelle mer se jette la Seine ? Vous m'avez dit la mer Atlantique, et qui depuis est venue un océan à la grande île, la mer Atlantique. Ouais, ouais. Mais j'ai dit. Oui, mais c'était la oui, Manche. Mais c'est la Manche. Bah, oui. La mer, mais c'est oui, la Manche. Oui, oh, mais moi, dis donc, vous avez un diplôme de mauvaise foi, non ? Clément, celui qui a fait construire le château de Versailles, ce n'était pas Louis XVI, c'était Louis XIV. Et enfin, la fabrication du savon de Marseille, la ville qui a développé sa fabrication. Ah bah oui. C'est Marseille, le savon de Marseille. Évidemment, évidemment. Non mais franchement.
Bon. Et celui qui répare les toits est un couvreur. Oui, mais on l'a compté. Oh, voilà. Non, mais c'est pas possible. On m'a mis OK, couvreur, charpentier. Ah, vous êtes gentil, ah, d'accord. Merci, ouais, c'est la première semaine. Bon, Clément, 7 bonnes réponses. Oh non, j'ai quand même une montre. Mais bien sûr, vous oula avez une montre RTL. Ah, sauvé. Il est en pleine forme, ah, oui, bon. Oui, 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 il est speed. Il est très sympathique. Mais, Caroline, je vous follow sur Twitter. C'est vrai, et je vous réponds de temps en temps. Non, jamais. Ah bah oui, mon petit garçon, c'est facile, faut me dire que je suis la plus belle, la plus sympathique, la plus douée, et là, il y a de grandes chances que je vous réponde merci. D'accord, à Kazmaïli. D'accord, je note. Autant te dire qu'elle répond rarement. Clément, on vous embrasse. Ah bah, fais un coucou, fais un coucou. Un coucou à qui? Fais un coucou à ma sœur, ses enfants Anaïs et Elliot, ma cousine, Margot, Romain, ses enfants, ma téton, Eva Brown. Bref, tout le monde. Eh ben, d'accord. Mes collègues de travail. Oui, merci Clément. Vous avez une collègue qui s'appelle Eva Brown Non, non. On vous embrasse. Très bien. Clément. Allez, moi aussi. Bonne belle journée. Ciao, ciao. Bon, on va revenir dans quelques secondes. On a encore le temps de jouer, hein, de faire un dernier quiz avant d'offrir le premier séjour à Disneyland Paris de la matinée. Ce sera tout à l'heure, juste avant 10h. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Hashtag RTL Quiz. Beaucoup de photos là qui arrivent depuis une vingtaine de minutes. Ça fait plaisir de vous voir écouter RTL, l'endroit où vous êtes en train d'écouter RTL. On a lancé ça pour la deuxième heure de l'émission. On va choisir un message sur Twitter ou sur Facebook avec le hashtag RTL Quiz, la photo. On va vous appeler pour que vous puissiez jouer avec nous. Mais pour l'instant, et juste avant 10h, on a le temps de faire un dernier quiz, Caroline, pour tenter d'offrir là, ce séjour à Disneyland Paris. Tout à fait. Nous allons appeler... vers Tourcoing, je crois. Donc, si vous êtes vers Tourcoing, restez près du téléphone. C'est certainement chez vous que ça sonne. Vous allez voir. Il y a 1000 euros qui vont arriver. Allô, Laurie. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Caroline. Bonjour, Laurie. Vous êtes sur RTL. Vous allez jouer avec nous. Oui. Vous habitez où exactement? Tourcoing même? Oui, Tourcoing. Bon, vous êtes en vacances? Oui. Oui, je suis étudiante, donc là, je suis en... Alors, dites-nous ce que vous étudiez. Je suis en BTS ESF au lycée Sévigné. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est le moment d'essayer d'arrondir cet été avec 1000 euros cash, d'enchaîner plein de bonnes réponses que Bruno va vous poser immédiatement. N'hésitez pas à passer si vous avez un doute. Le tout, c'est d'accumuler un maximum de bonnes réponses. Et je vous signale que si vous en avez plus que 10, c'est vous qui partirez à Disneyland Paris. Bah, j'espère bien. Est-ce que vous êtes prête? Oui, allez-y. On y va. Quel est le 7e art? Cinéma. Quel alcool compose le cocktail appelé Bloody Mary? Le rhum. Comment appelle-t-on le petit du guépard? Passe. À quel président Valéry Giscard d'Estaing a-t-il succédé? Passe. Qui a écrit Hamlet? Shakespeare. Quelle est la femelle du bouc? La brebis. En football, non, comment... pas la brebis, la chèvre. En pardon. Football, comment appelle-t-on l'angle supérieur des buts? Corner. Quelle émission satirique représentait François Mitterrand en grenouille? Je ne passe. Quel condiment vert accompagne traditionnellement les sushis? Excusez-moi, je vais écouter la question. Quel condiment vert accompagne traditionnellement les sushis? Le wasabi. Comment appelle-t-on les soldats de l'ONU? Je passe. Avec quel agrume fabrique-t-on le Cointreau? Passe. Qui présentait le Petit Journal jusqu'au 23 juin dernier sur Canal+? Passe. Oh. Yann Barthez. C'est stress. Bon, Laurie, avec Caroline, on va déjà voir où ça a un peu bloqué. Laurie, c'est un peu bloqué, j'ai pas envie de dire partout, mais dans pas mal d'endroits. Je vous taquine, hein, parce que... Je sais, mais je suis stressée après. Ah, mais c'est normal d'être stressée. Alors, je vais vous apprendre que nous mettons de la vodka dans le cocktail qu'on appelle le Bloody Mary. Ouais. Et que le petit du guépard, eh ben, c'est un guépardo. Que Valéry Giscard d'Estaing ait la gentillesse de succéder à Georges Pompidou. Voilà, vous êtes bien rattrapé sur la chèvre, bravo. Vous avez dit la brebis d'abord, mais vous êtes rattrapé sur la chèvre. Alors le corner, non, c'est l'angle supérieur dans lequel on tire, ça s'appelle la lucarne. Si vous êtes complètement bilingue, vous ne dites pas corner, vous dites le corner.
Bah excusez-moi, c'est pas comme ça qu'on dit, on n'est pas le corner. On dit un corner en règle générale. Oh, excusez-moi. Ouais, je sais pas, je n'ai pas le langage du supporter de base. Bon, à la finalité, cela vous fait 4 bonnes réponses, Laurie. Ce sera suffisant pour gagner une montre RTL, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas assez pour le séjour à Disney. Non, mais c'est pas grave, c'est un plaisir. Hein. Je vous embrasse. Nous vous embrassons. Bon courage, bonne journée, merci à vous. Mélanie a joué avec nous en début d'heure. Rebonjour Mélanie. Rebonjour. Bon, bah, et vous avez joué en disant 10 bonnes réponses, si ça se trouve c'est pas assez. Bah, ça a été assez, oui. Puisque vous gagnez ce séjour à Disneyland Paris. On vous a c'est génial. Franchement, c'est génial. Bravo, très Mélanie. Très contente. Merci beaucoup. Et alors ma petite fille à côté, elle est aux anges. Bah, je me doute. Alors c'est 2 jours, d'accord. Vous serez en pension complète et vous allez avoir l'accès aux 2 parcs. Vous serez logé au Sequoia Lodge. Oh, d'accord. C'est super. Je vous remercie beaucoup. Vraiment, c'est un super cadeau. C'est vraiment. C'est vous on qui est l'avez très, gagné. Très content. On vous à votre embrasse. Efficacité. Bisous, merci Mélanie. Beaucoup, je vous embrasse. Infirmière. Bonne continuation, merci. Infirmière à Montpellier. Bon, vous continuez à appeler 3210. Là, on va vous retrouver au standard en direct dans quelques minutes. À tout de suite. RTL. Vous écoutez RTL, il est 10h. Les infos avec Céline Landreau. Bonjour Céline.